secondes pour 4 points de retard pour Vasquez-Lam. C'est peut-être l'espoir avec Demi à 3 points. C'est un dedans. Elle est de retour. Elle est contre l'attaque. Elle donne la guérille. Elle est contre l'attaque. Elle est malade. Elle est malade. Sorry de ta course. Intérieur, après, elle est là. Elle joue. C'est dedans. Babé qui remonte le quai. Babé qui calcule. Le club Bastien-Land, en fait, en tant que tel, existe maintenant depuis... on va dire une huitaine d'années ou une dizaine d'années pour arrondir, mais en fait, cette histoire elle remonte beaucoup plus loin, puisque c'est un petit village qu'on fait en fond des Landes, il s'appelait Hiron-Cube, qui évoluait dans des divisions de National 1, qui était donc tout le temps en train de rivaliser avec les divisions supérieures. Bon, bien sûr, un petit village avec peu de moyens, c'était difficile pour eux. Donc du coup, un département qui s'est réuni autour de ce projet, une ville de Saint-Sever, la communauté de communes, bref, un projet donc, qui est un peu atypique dans ce sens, puisque... il est devenu finalement projet départemental. Moi, la particularité que j'ai, c'est le fait d'être ici, d'être née pas très loin d'ici, d'être pure landaise. C'est vrai que ce club, pour moi, est un club familial. Les dirigeants sont entre autres des dirigeants, mais des amis aussi. On peut compter sur eux dans n'importe quel moment, que ce soit au niveau basket, même en dehors, quand on a des petits soucis, on sait qu'ils sont toujours là pour nous aider et c'est ça qui est bien ici. Moi, je suis arrivée, on était en National 1, donc Ligue 2 maintenant. Et ils ont toujours gardé cet esprit de convivialité, d'être proche des joueuses, de faire attention à ce qu'elles soient bien dans leur vie à côté. Et si elles sont bien dans leur vie à côté, elles sont bien aussi sur le terrain. Donc c'est vraiment cette particularité-là qui est restée malgré le monde professionnel dans lequel on est. Notre souci, c'était de stabiliser ce club dans ses 7-6 premières places. Voilà, le consolider. Et donc, avec l'arrivée de la nouvelle salle, on peut imaginer que cet objectif de 7-6 premières passes peut éventuellement progresser. C'est ce que l'on souhaite tous. Stop it. Stop it. Be ready. But we absolutely need to continue to be aggressive in offense, okay? But in defense, girl, it's not possible to let them 60 points. So the deuxième ballon, tu peux être agressive. If we have to be hard, a little harder, okay? We have to be a little harder. But more pressure on the ball, be more aggressive on all what we are doing in defense, right? N'aime pas parce qu'on joue en gros à 6 contre 5. Voilà, on a la particularité dans cette salle d'avoir les tribunes près du terrain et c'est vrai que pour nous ça nous booste encore plus. C'est le chaudron comme on l'appelle et c'est vrai que ça a cette particularité d'avoir de l'ambiance et la salle est pratiquement pleine à tous les matchs. Basketland, c'est le basket landais et le basket landais, c'est une famille où tous les gens se côtoient en permanence. C'est des abonnés à 80%, chacun se reconnaît dans cette équipe ou dans ce club. C'est ce qui en fait toute sa force d'ailleurs. C'est une ambiance familiale, voilà, c'est un chaudron, ça peut exploser à tout moment. Voilà, on sent l'engouement du public qui est autour de nous, on sent la présence des gens autour de nous, voilà, c'est génial, c'est magnifique. C'est vrai qu'ici on se sent forte, on se sent très soutenu. Il n'y a jamais un match où c'est calme, où les gens ils restent dans leur siège, ils sont toujours... mais ils sont pires que nous des fois, ils sont plus énervés que nous. Donc, mais c'est chouette parce que c'est vraiment notre sixième homme. Ici on fait des résultats de fou alors qu'on revient à l'arraché, on peut avoir moins 10 mais on revient. Bon voilà, c'est une terre de basket donc c'est des fidèles et ils sont forts, franchement ils sont forts.